der Selbstzerstörung zugeschaut. Sucht es nach dem Sinn. Bunun için mi geldik buralara? Bunun için mi söz verdin annene? Bunun için mi okudun onca sene? Bunun için mi gitmiyorsun dinara? Konuş, konuş benimle! Vazgeç be. Bunların sonu yok be. Bana da kızma. Ben ne istiyorsam senin iyiliğin için istiyorum. İyiliğim için ha? C'est pour mon bien. C'est toujours pour mon bien. Je vous en prie, entrez. Maître Reintz. Monsieur. Vous ne me reconnaissez pas. Je suis venu vous voir il y a 8 ans. Vous aviez pris ma défense, parce que mon patron voulait me renvoyer. Ah oui, ça y est. Et ça me revient maintenant, le procès devant les prud'hommes. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous avez à nouveau des ennuis avec les prud'hommes? Non. Je suis à mon compte maintenant. J'ai monté une entreprise d'import-export. C'est autre chose qui m'amène. Ma fille, Ayala. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a fait une fugue. Maître Reintz, soyez gentil. Prenez l'affaire en main, je vous en prie. Oui. Je crains que vous n'ayez pas frappé à la bonne porte, monsieur. Monsieur Hikmet, hein? Vous auriez dû vous adresser à la police. C'est ce que j'ai fait. Ils ne veulent pas me venir en aide. Ayala est majeure. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Voilà comment la police m'a accueilli, moi. Mais il y a autre chose dont je n'ai pas osé parler à la police. Les avocats sont liés par le secret professionnel. Je ne trahirai pas votre secret. Ma fille a de très mauvaise fréquentation depuis qu'elle est partie. Elle est entourée de jeunes gens qui fument de la drogue, maître. Elle est perdue, il faut que je la sorte de là. Maître, je vous en prie, aidez-moi. Oui, je comprends que vous soyez inquiet, monsieur Hikmet, mais je n'y peux rien. Je regrette, cette affaire n'est pas de mon ressort. Vous devriez plutôt vous adresser à un détective privé. Oui, mais je n'en connais aucun. Ah ben, je m'en doutais, mais enfin, c'est pas un problème. Si vous voulez, je lui téléphone immédiatement. Bonjour, monsieur. Je suis monsieur Hikmet. Ah oui, je vous attendais. Entrez. Merci. Je vous en prie. Alors, comme ça, vous voulez que j'entoure votre fille? Pourquoi? Maître Reintz vous a dit au téléphone ce qui était arrivé. Elle a fait une fugue. Elle est majeure, asseyez-vous. Elle est avec des gens qui ont une mauvaise influence sur elle. C'est ce que disent tous les parents quand leurs enfants les quittent. Moi, il me faut une raison valable, si vous voulez que je la cherche. La drogue, c'est pas une raison suffisante pour vous. Elle est accrochée? Vous, les Allemands, vous êtes tous pareils, vous n'avez aucun cœur. Vous attendez d'abord que vos enfants soient perdus, avant de commencer à vous faire du souci pour eux. Si je prends l'affaire en main, il faut que je sache exactement où je vais. Et réunir un maximum d'éléments. Vous acceptez de m'aider? J'ai pas dit ça. Est-ce qu'elle est accrochée à la drogue? J'ai surpris Ayala une fois en train de fumer du hashish. Hein? Dites-moi exactement pourquoi elle a fait une fugue. Elle doit se marier. Avec le fils aîné du patron de mon beau-frère. Une excellente famille à Dinard. Ce
Le mariage est prévu depuis 5 ans. Elle le sait. Il doit avoir lieu cet été. J'ai été obligé de le retarder. Il devait avoir lieu il y a 2 ans. Seulement, j'avais juré à ma femme, alors qu'elle était en train de mourir, qu'Ayala finirait ses études avant de se marier en Turquie. Elle les a terminées. Seulement, maintenant, elle est partie. Avec un autre homme. Fallait le dire plus tôt. Monsieur Matula, c'est urgent. Il faut que vous retrouviez Ayala au plus vite. L'argent n'est pas un problème. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Je ne suis pas le genre à me laisser acheter. Vous ne me comprenez pas, monsieur Matula. Ma fille a été rigoureusement élevée suivant notre tradition. Elle sera perdue, sa vie sera détruite. Elle sera déshonorée si elle perd sa virginité. L'homme qui lui est promis ne voudra plus se marier avec elle. Aucun Turc n'acceptera jamais de la prendre pour épouse. Qu'est-ce qu'elle deviendra? Elle se couvrira de honte. Ça doit être trop tard pour sauver son honneur. Soyez réaliste. Elle a le droit de choisir sa vie, vous ne pouvez pas la lui imposer. C'est vrai que depuis que sa mère est morte, je l'ai laissée trop souvent seule. Maintenant, elle a perdu de vue le droit chemin. C'est ma faute. C'est ma faute. Il ne fallait pas attendre, j'aurais dû tout de suite l'envoyer en Turquie. Allah va me punir de mes péchés. Je vous en supplie. Je vous en prie. C'est ma seule fille, il faut que vous m'aidiez à la sauver. Sinon, je vais perdre la face. Ma fille ne veut plus obéir à son père, elle n'a aucun respect. Je suis prêt à tout vous donner, dites-moi ce que vous voulez. Je vous en prie, monsieur Matula. Je vous en conjure. S'il vous plaît, aidez-moi. Non, arrêtez, ça suffit, relevez-vous. Relevez-vous. Et pour qui vous me prenez? Pour le bon Dieu? Je ne garderai pas Ayala prisonnière. Allah en est témoin, je le jure. Je veux lui parler, c'est tout. Tout ce que je souhaite, c'est de discuter avec elle. Je vais essayer de lui expliquer ce tort. Et elle comprendra toute seule. Elle comprendra ce que son père lui dira. Vous voulez un café? C'est bon, je vais essayer de la retrouver. Merci. 400 marks par jour, plus les frais. Vous le voulez maintenant? C'est pas du café turc, mais il n'est pas si mauvais que ça. Oui, volontiers. Merci. Bon, maintenant, si vous me parliez du type avec qui elle est partie, vous le connaissez? Non, je connais seulement son prénom. Arnaud. Ça, c'est ma fille. L'autre, je ne sais pas qui c'est. Là, c'est lui, Arnaud. Et lui, c'est son ami. Je crois qu'il s'appelle Richie. Vous avez l'adresse d'Arnaud? Non, Ayala ne me dit jamais rien. Je l'ai vu entrer dans une discothèque avec lui un jour, à Hasengasse. C'était un Anglais, j'ai oublié lequel. Salut Richie. On se connaît? Ouais, je suis venu plusieurs fois ici avec Arnaud. Tu te souviens pas de moi? T'es pas là aujourd'hui? Non, ça va faire un bail qu'on s'est pas croisé. Et toi, tu l'as vu dernièrement? Ouais, comme ça, un coup de vent. C'est moi aujourd'hui, j'ai besoin de lui et je sais pas où le joindre. T'as une idée? Il est peut-être chez sa copine. T'as pas essayé? La petite turque? Non, je sais pas où elle est passée. Viens, je te paye un flipper. Allez.
Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? C'est pour les affaires? Ouais. Et on peut savoir ce que tu lui veux? Non, pas vraiment. Je préférerais en parler à Arnaud personnellement. Ouais, quand même. Seulement, si jamais je l'avais rencontré, je n'aurais pu lui en parler. Ouais, c'est dommage. Ouais, franchement, arrête ton cirque. Tu ne le connais pas, Arnaud. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu lui veux? Allez, dis-le-moi. Pour être franc avec toi, c'est pas tes oignons. C'est bon, tu verras. Je cherche Richie. Il faut que je lui parle. Il est là? Il était là. Ah. Il vient juste de faire une partie de flipper avec le type là-bas. C'est midi, j'ai pensé à toi. Ah, ce que c'est gentil. Je suppose que tu n'as rien dans ton frigo, comme d'habitude. Tu te trompes, j'ai de la bière et des yaourts périmés, comme d'habitude. Et un œuf de Pâques de l'année dernière. Bah, garde-le pour l'année prochaine. Tu vas te régaler, j'ai apporté un bon petit repas. Ça te fait mal? Oh non, non, c'est très agréable. Non, c'est le coup dans la nuque qui me fait un peu souffrir. Comment est-ce que ce Richie a pu découvrir aussi vite que tu bluffais? Tu as encore dû faire une gaffe, mais à quel moment? Je sais pas, je me suis posé 100 fois la question. Du Melvin. Ça a l'air bon, ça. Bon, il faut que j'y aille, hein. Où ça? Tu vas faire quoi, là-bas? Voir si la fille d'Hikmet est encore dans le coin. Avec son copain. Il paraît que les deux amoureux font du camping. Au bord du Rhin. À la sortie de Ginsheim. Je suis passé voir une copine d'Ella ce matin. Très mignonne. C'est elle qui m'a dit ça. Et garde-moi ma part, hein. Oh, désolé, parce que j'ai une bossée faim. Quelqu'un? Bonjour, Ayala. Qui êtes-vous? Je m'appelle Joseph Matula. C'est ton père qui m'envoie. Ayala, s'il te plaît, ouvre-moi. Je ne veux pas retourner chez mon père. Plus jamais. Dites-lui de me laisser tranquille, je ne veux plus le voir. Tu te trompes, personne ne veut te forcer à rentrer chez toi. Ton père aimerait seulement parler avec toi, c'est tout. Ayala, t'as entendu? Il voudrait te parler, seulement te parler. T'es libre de choisir l'endroit. Vous n'auriez pas une cigarette? J'ai pas fumé depuis hier. Tu peux me tutoyer, si tu veux. Je peux entrer, s'il te plaît?
fatigue, ça. Vous partez en voyage? Où est-ce qu'il est, Arnaud? J'en sais rien. Ça m'étonne. Vous allez partir et tu sais pas où il est? Quand est-ce qu'il est parti? Il y a 3 jours. 3 jours? Et t'es restée là toute seule à l'attendre? Qu'est-ce que vous auriez fait, moi? Arrête, pleure pas. Tu peux pas rester là, je vais t'emmener en ville. Non, pas chez ton père. Chez qui, alors? Je connais un monsieur tout à fait sérieux. Mais tu me prends pour quoi? C'est pas l'armée du salut, ici. Et c'est juste pour quelque temps, jusqu'à ce que cette petite puisse parler avec son père. Elle doit partir en voyage ensuite. Il n'en est pas question, tu exagères. Je ne la connais même pas, cette fille. Et puis je suis chez moi, ici. Oui. Je sais, et tu as de la place. Vous avez vraiment du mal à vous marcher sur les pieds. Non, non, c'est pas la peine d'insister. Je ne veux pas qu'elle s'installe ici. Bon, alors dis-le lui toi-même. Eh, d'accord. Allez, entrez, Ayala. Je vais la porter. La chambre d'amis est au premier. Bon, reprenons depuis le début. Vous étiez ensemble dans le camping-car, et ensuite? Il m'a dit qu'il fallait qu'il aille en ville. Il est parti en moto. Pourquoi faire? J'en sais rien. Il avait quelque chose à régler. Et il n'est pas revenu depuis 3 jours. Est-ce que t'as essayé de lui téléphoner, au moins? Où ça? Il n'a pas d'appartement. Il a peut-être eu un accident. Je vais appeler la police. Quel est son nom de famille? Scholz. Il n'a pas de domicile? Tu veux dire qu'il habite toute l'année dans le camping-car? Ça doit cailler en hiver. L'hiver dernier, il n'était pas là. C'est-à-dire? Il habitait chez une fille. Mais il est peut-être chez elle. Tu crois que c'est possible? Comment voulez-vous que je le sache? Il m'avait dit que c'était fini entre eux. Il avait rompu avec elle. Il voulait aller chez elle récupérer des affaires. Il n'a pas eu d'accident, apparemment. Je vais appeler son père. Le mieux, c'est que je lui demande de nous rejoindre ici. Je vous en prie, non, je n'ai pas envie de le voir. D'accord, alors dis-moi un peu ce que tu veux faire. J'en sais rien. Tu ne veux pas voir ton père? Ton copain t'a laissé tomber? Non. Non. Il m'a pas quitté, j'en suis certaine. Bon, écoute, je vais le retrouver, moi, ton Arnaud. Et il va falloir qu'il t'explique pourquoi il t'a laissé seul pendant 3 jours, cet enfoiré. Tu connais le nom de la fille? Salut, Anne, tu tombes bien, je viens juste de finir. Tu as les 150 marques au liquide. J'aime pas tellement l'échec. Ah ouais? Un café? Ouais. Je viens juste de le faire. Merci. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part, mais où? Et toi? Oui, peut-être en rêve. Pas du tout, non. Un cognac? Et non, ça ne peut pas être toi l'homme de mes rêves, ça c'est sûr. Pas avec ton horoscope. Pourquoi? Mes étoiles déconnent tant que ça? Disons que ça pourrait aller mieux, mais... Tout dépend comment on réagit, tout peut s'arranger. Alors, pas de panique. Mais bon, commençons par ce qui déconne, comme tu disais. Tu as Pluton, Saturne et Mars qui sont actuellement en transit en maison 8. Ça, pour moi, c'est du chinois. Et tu dois être extrêmement tendu.
Tu exploses et tu imploses sans avoir le temps de reprendre ton souffle. Et tu as un potentiel extraordinaire, mais malheureusement, tu es également bourré de complexes d'infériorité. Quand tu auras, excuse-moi, 27, 28, quand tu auras 32 ans, c'est-à-dire dans 2 ans, tu vas traverser une crise très difficile et tout va finalement... Tu n'as que 30 ans. J'ai jamais dit ça, moi. J'ai pas honte de mon âge. Alors ce n'était pas ta date de naissance. C'est pas non plus ce que j'ai dit. Tu te moques de moi? Qu'est-ce que tu veux? Je m'appelle Mathula. Je veux voir Arnaud. Ah, ça y est, je sais où je t'ai vu, je n'arrivais pas à te remettre. Avant-hier au Dream, c'est bien ça? Au Dream, je te l'ai dit en entrant. Tu m'as vu en rêve. Je m'en souviens, tu t'es battu avec Richie en jouant au flipper. Disons plutôt que c'est lui qui m'a attaqué. Et pourquoi? Autre question. Où est Arnaud? Qu'est-ce que tu lui veux? Rien, je veux le rembourser. C'est tout. Je lui dois pas mal de fric et il en a besoin. D'habitude, c'est plutôt l'inverse, c'est lui qui a des dettes. À moi, par exemple, il me doit 600 marques. Tu n'as qu'à me les donner, ça revient au même. Je préfère lui remettre en personne. Ça va pas être facile. Il est parti en voyage au Maroc il y a quelques jours. Il avait pas besoin de son fric tout de suite, alors? Il est tout le temps fauché. Il est passé me voir il y a 2 jours parce qu'il n'avait pas assez pour partir. Mais sa nouvelle nana a dû l'aider à se renflouer. La petite turque, Ayala. Ce voyage au Maroc, il devait le faire avec moi, en fait. Il voulait rompre avec Ayala avant de partir et on devait s'en aller. En tout cas, c'est ce qu'il m'avait dit dimanche dernier. Apparemment, il a dû changer d'avis un beau matin et c'est elle qui l'a emmené, finalement. Il n'a même pas jugé bon de me tenir au courant. Il ne t'a plus donné de nouvelles? Non. Mais c'est le contraire qui aurait été vraiment surprenant venant de lui. Ça faisait plusieurs semaines qu'il voulait soi-disant se séparer d'elle. Il ne savait pas comment s'y prendre. Elle est si jeune, cette petite, et si naïve, et si sensible. Et c'était lui son premier grand amour. Il ne pouvait quand même pas la faire souffrir. Et la bonne vieille Irène, elle en a tellement vu avec lui. Il pourra bien tenir le choc encore une fois, elle est solide. Seulement là, il a dépassé les bornes. Il a quitté Ayala aussi. Quoi? Elle est toujours là. Le camping-car aussi. Il y a qu'Arnaud qui a disparu. Depuis lundi. Dis-moi, tu n'as jamais vu avec Arnaud? Tu fais pas partie de sa bande? Tu sors d'où, toi? T'es pas poulet? Pas poulet, détective. La gentille Ayala a quitté le domicile familial et son père m'a chargé de la retrouver. J'ai pas mis longtemps. Il ne manque plus qu'Arnaud. Est-ce que tu es passé au garage? Il est peut-être là-bas. Non, quel garage? C'est là qu'il avait réparé le camping-car. Et parfois, ça lui arrive d'y passer la nuit quand j'en ai marre et que je lui laisse la porte fermée. Ou alors, exceptionnellement, quand il ne trouve aucune minette pour l'héberger. Où elle est passée, cette clé? Ah, la voilà. Viens. Je veux savoir où il est, moi aussi. Et bonjour, je suis Martins. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Bonjour, monsieur. Reviens demain matin, à la même heure. Il faut que j'y aille. Mais sois à l'heure. Mais enfin, je... Tu feras mieux de pas insister, Pluton, et Saturne vont te tomber dessus. C'est un ripilaf à la turque. Ah, Joseph. Et alors? Oh non. Oui. Oui, je vais lui dire. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Arnaud est mort. Abattu.
Madame Kurtz, vous avez dit que vous habitiez avec la victime. De temps en temps. Et vous avez des soupçons ou des indices à me donner? Ayala. Ayala? Oui. C'est une petite Turque avec qui il avait une aventure. Il voulait la quitter, mais elle s'est mise à hurler, à lui faire des scènes. Ça ne veut pas dire que ce soit elle qui l'ait tuée. Oui, je sais bien. Mais il n'a plus le médaillon. Quel médaillon? Mais vous savez, ces vieux bijoux en or qu'on peut ouvrir, on n'en voit pas tellement. Elle lui en avait offert un. Elle avait mis leur photo à l'intérieur. J'avais piqué ma crise parce qu'Arnaud ne voulait plus s'en séparer. Il le portait jour et nuit. Mais là, il ne l'a pas. La moto est toujours là, son argent aussi. La seule chose qui manque, c'est ce médaillon. Et la dernière fois que j'ai vu Arnaud, il m'a dit qu'il allait rejoindre Ayala. Ça ne suffit pas pour que cette jeune fille soit suspecte. Il l'a peut-être perdu, ce médaillon, ou quelqu'un d'autre a pu le lui dérober. Enfin, nous verrons. Nous interrogerons tout de même cette jeune fille. Comment s'appelle-t-elle, mademoiselle? Iknet, je crois. Et où habite-t-elle? Je sais pas. Tu dois le savoir, toi, tu la connais mieux que moi. Moi? Oh, j'en sais rien. Voyons, ne soyez pas ridicule, monsieur Matula. J'ai parlé à monsieur Hikmet. Je sais pourquoi il s'est adressé à vous. Bonjour, Dieter. Bonjour, Michael. Alors? Alors, Joseph. Je vous avais averti qu'en l'absence de mon avocat, je ne dirais pas un mot. Ton vieux copain refuse obstinément de me dire où se trouve mademoiselle Hikmet. Pourquoi, tu sais où elle est, toi? Oui, moi aussi, je le sais, évidemment. Seulement, c'est ma cliente, je ne suis pas du tout obligé de te le dire, au contraire. Je vais te donner un bon conseil, Dieter. Dis-lui de se présenter à mon bureau et de se tenir à ma disposition. Sinon, il ne fait qu'aggraver son cas. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. On ne vous accuse pas, on vous soupçonne seulement, c'est différent. Vous avez intérêt à vous mettre à la disposition de la justice. Croyez-moi. Je voudrais d'abord parler à mon père. Tiens, c'est nouveau, ça. Il est le seul à pouvoir me dicter ma conduite. Bon, ben, je vais lui téléphoner tout de suite. C'est bien? Oui, c'est la plus belle histoire d'amour du monde. Il refuse de vous voir. Il dit que vous n'êtes plus sa fille. Oui, la police est venue chez moi pour m'interroger. Et ils m'ont appris qu'Ayala avait tué son ami. Ils n'en ont pas la moindre preuve. J'ai pourtant tout fait pour protéger ma fille. J'ai toujours veillé à ce qu'elle ne subisse aucune mauvaise influence. Et pourtant, je me suis toujours efforcé de lui montrer le droit chemin. Mais non. Elle est têtue comme une mule, et voilà le résultat. Il me semble que c'est tout à fait le portrait de son père. C'est de sa faute. Elle est responsable de son malheur. Elle s'est retournée contre son père et contre Allah, Tout-Puissant. La famille de son fiancé ne voudra plus d'Ayala maintenant. Ils la repousseront. Et ils auront raison. Dans le Coran, il est dit, ne fréquente pas les gens qui se moquent de la religion, qui la tournent en dérision, car leur propre faute les conduiront à leur perte. Ils méritent un châtiment éternel pour avoir perdu la foi. Vous, les musulmans, vous n'avez pas de cœur. Dans la Bible aussi, il est dit de belles choses. L'histoire de la disparition du fils. Lui aussi, il est parti. Et il s'est repenti à son retour. Son père ne l'a pas repoussé. Au contraire. Il a organisé une grande fête en son honneur. Et s'il avait retrouvé sa fille, il aurait eu la même attitude. Je la connais, cette histoire. C'est celle de Jésus. Un prophète d'Allah. J'espère qu'il ne va pas la tuer. Ma fille va se livrer à la justice. Elle m'a donné sa parole. Elle est innocente. Elle ne ment pas. Elle est redevenue votre fille, à ce que je vois.
Quand une fille obéit à son père et le respecte, elle ne se comporte pas comme Ayala. Mais un père doit être généreux. Je ne peux pas en vouloir à ma fille. Je vous remercie de m'avoir fait venir. De rien. Vous allez chercher des preuves qui montreront que c'est l'autre femme qui est coupable? Irène? Doucement, monsieur Hikmet. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est coupable? Rien n'est encore prouvé. Ça m'est égal. L'important, c'est de prouver que ma fille est innocente. Depuis lundi, il n'est pas revenu au camping-car. À quelle heure est-il parti? Je n'en sais rien. Dans l'après-midi ou en début de soirée. Et où est-il allé? Chez Irène. Il voulait récupérer des affaires chez elle. Il s'était séparé de Mademoiselle Kurtz quelques jours avant. Selon les dépositions de Mademoiselle Kurtz et d'autres personnes, il ne s'était pas séparé d'elle. Mais de vous, Ayala Hikmet. Nous pouvons écarter les déclarations de ces témoins pour le moment. Ce qu'il faut retenir, c'est que ma cliente Ayala, au moment du crime, se trouvait à Ginsheim, dans le camping-car. Le meurtre a eu lieu dans le garage, ça c'est irréfutable. Ayala ne sait pas conduire. Il lui aurait donc été impossible de revenir en voiture à Ginsheim après le crime. Vous n'avez pas de permis de conduire? Mon père ne m'a pas autorisé à le passer. Vous n'avez jamais tenu le volant d'une voiture? Arnaud a voulu vous apprendre à conduire pourtant, pour que vous le remplaciez en partant au Maroc. Vous vous êtes montré très adroite d'après lui. Oui, j'ai eu une leçon seulement. Elle n'a pas pu apprendre en une fois. Il est possible qu'une seule leçon ait suffi, en admettant qu'il n'y en ait eu qu'une, si elle était douée. Alors, où est passé le médaillon que portait Arnaud? Et l'arme du crime? La police a fouillé l'appartement d'Ayala et n'a rien trouvé. Elle a pu se débarrasser de ses pièces à conviction. Mademoiselle Hikmet, vous êtes en état d'arrestation. Ne vous en faites pas, c'est seulement pour une nuit. Je ne crois pas que la garde à vue soit justifiée. C'est au juge d'instruction de prendre cette décision. Va-t'en, salopard, va te faire voir! Tu carbures déjà au calva au saut du lit? J'ai carburé toute la nuit et puis c'est pas tes oignons. Arnaud a quand même été mon... On se demande ce qu'il était en fait. Fous le camp! La police est venue me voir. Ils veulent tout me mettre sur le dos, ces connards de poulet. Et toi, tu les pousses dans cette voie, salaud. Fous le camp! Irène! Ça tient pas debout, cette histoire. Pourquoi tu es persuadé que ma cliente est coupable? Tu fais un caprice. Il y a pourtant d'autres suspects dans l'affaire. Non, pour le moment, je ne vois aucun. Bah, quelle horreur, c'est encore un mangeable. Ton vol au vent au saumon, auditeur. Un délice. Il me semble que tu oublies l'autre maîtresse de la victime, Irène Kurtz. Elle a un alibi à toute épreuve. Le jour du crime, elle a assisté à un congrès d'astrologie à Wiesbaden. Il y a de nombreux témoins. Ah. Tu devrais doucement amener ta cliente à passer aux aveux maintenant. Ma fille est innocente. Vous pouvez me croire, ce n'est pas une meurtrière. Mais elle s'est rendue coupable d'autre chose. Vous m'avez dit que vous étiez lié par le secret professionnel, vis-à-vis de la police aussi, et du procureur. Oui, absolument. Vous pouvez me faire confiance. Je vous ai dit que j'étais dans le commerce. Je trafique de la drogue. Ma société d'import et export n'est qu'une couverture. Quoi? Continuez. Ayala l'a découvert par hasard. Elle m'a volé 600 grammes d'héroïne il y a quelque temps. Elle les a donnés à Arnaud, son ami. Elle me l'avouait, il voulait les revendre. Pour pouvoir payer leur voyage, il voulait s'en aller dans un pays étranger.
le voleur de l'héroïne, c'est peut-être lui le coupable. Ou la victime du vol. Moi ? Mais non. Vous croyez que je vous aurais raconté toute cette histoire ? Irène, sur toutes les planètes, Pluton, la Lune, Vénus, je te le jure, je sais que t'es innocente. Alors c'est qui ? Ayala ? Pas elle, quelqu'un d'autre. Ça va mieux ? J'ai pris une douche froide. Je commence à voir les idées un peu plus claires. Dis-moi, si Arnaud avait des dettes partout, d'où est-ce qu'il sortait cet argent pour partir au Maroc ? Est-ce qu'il t'avait parlé d'un projet qu'il avait pour s'enflouer ? Des dizaines de fois, mais ça ne donnait jamais rien. Pourquoi, tu penses à un projet précis ? Ouais, l'héroïne. Qu'est-ce que tu dis là, l'héroïne ? Ouais. Alors là, je suis pas au courant. Il fume un peu, c'est vrai, ça lui arrivait de vendre du shit, mais c'est tout. Je sais de sources sûres qu'il avait 600 grammes d'héroïne. Alors je me suis dit qu'il avait peut-être trouvé un client foireux, qu'il a payé avec une balle dans la tête. Ah ouais. Ce qui m'étonne, c'est qu'il m'en ait pas parlé, c'était un coup fumant. Ben, c'est sans doute justement pour ça qu'il t'en a rien dit. Ouais. Tout ce que je savais, c'est qu'il voulait partir au Maroc pour acheter 10 kilos de hashish. Il était tout content. C'était la première fois qu'il avait une grosse affaire. Il avait mis plusieurs jours à préparer le camping-car pour planquer le hash. Les flics ont rien remarqué. Non, je crois pas. Mais 600 grammes d'héro, ça allait lui rapporter un bon paquet. Alors pourquoi il voulait du hashish ? Un cossard comme lui dans les affaires, ça m'étonne. Il voulait peut-être profiter d'une occasion. Vous savez déjà où il allait écouler la cam. On ne rapporte pas 10 kilos sans connaître le marché. Allez, dis-moi qui c'était. C'est quand même ton copain qu'on a assassiné. Bon, d'accord. C'était Richie. Il voulait lui acheter le hash. Ce cher Richie, tiens, tiens. Salut Richie, alors comment tu vas ? Qu'est-ce que tu veux encore ? Juste payer une bière. Deux bières. Avoue que tu sais pas sur quel pied danser, hein ? C'est vrai que tu m'as fait très mauvaise impression l'autre soir. Mais tu vas pouvoir l'effacer. Tu vas pouvoir te faire des roupettes en or par-dessus le marché. Des roupettes en or, c'est original. On va derrière. Mais cette fois, c'est moi qui dicte les règles. Pas de lézard, d'accord ? Pas de lézard. Vas-y, je t'écoute. Tu savais que j'en cherchais Arnaud. Eh ben, je l'ai retrouvé. Il est mort. Tu le savais aussi ? Et maintenant, je cherche un truc dont Arnaud s'était emparé, mais qui n'était pas à lui. Un joli petit sachet blanc dont la valeur se monte à 110 000 marques. Tu sais de quoi je parle ? Un sac de 600 grammes d'héroïne. Il l'avait piqué au mec pour qui j'enquête. Et il voudrait bien en revoir la couleur. Il est prêt à payer très cher pour ça. 40 000 marques de plus que la valeur marchande. C'est quelqu'un de très généreux. On peut savoir pourquoi ? Il s'est fait faucher la cam bêtement et il ne tient pas à ce que la nouvelle circule. Si son dealer l'apprend, il n'aura plus aucune confiance en lui et n'hésitera pas à le supprimer. Alors il faut qu'il préserve sa réputation dans le domaine. Ouais, je comprends. Mais pourquoi tu me racontes tout ça, moi ? Il faut bien prendre des risques. Tu connaissais bien Arnaud. Et si tu remets la main sur le sachet, tu encaisseras 130 000. Ah, tu sais pas compter, ça fait 150. Ah, ben, il faut aussi que je pense à moi. Alors ? Très bien, je vais brancher mes antennes. Je te reverrai au Dream.
peux me joindre à cette adresse. Merci, mais je m'étais servi. Allez, salut. Ouais, bonne nuit. Salut. Je te dépose. Non, quelle idée. On dirait que la nuit a été très longue pour toi. J'ai pas dormi de la nuit. J'étais avec Richie. Avec Richie? Eh ben. Tu t'es levé du pied gauche ou c'est moi qui t'embête? T'as passé la nuit avec Richie? Eh ben, t'as propre aux yeux, toi. Je voulais essayer de lui tirer les vers du nez. J'y suis arrivée, d'ailleurs. Mais ça n'a pas l'air de vraiment t'intéresser. Ah si, au contraire, je suis impatient de savoir. Tu veux un petit déjeuner? Non, j'ai pas faim, c'est trop tôt. Juste un café. Ouais. Ça n'a pas été tellement sorcier de le faire sortir de ses gonds. Et je crois que lui aussi, il voulait savoir ce que j'avais dans le ventre. Merde, j'en ai même pas assez pour une tasse. Et l'épicerie est fermée, en vrai. Ah, vas-y, je t'écoute. Il voulait savoir si par hasard Arnaud m'avait dit qu'il avait de l'héroïne. Non, arrête! C'est imbuvable comme ça, laisse tomber. J'ai déjà eu ma dose. Bon. Alors, on va boire du thé. Mais il aura un goût de café, tant pis. Alors, qu'est-ce que t'as découvert? Rien de précis, mais... Mais Richie a donné un coup de fil. Il avait besoin d'un bouquin en pleine nuit, à 3h du matin. Je connais ce genre de conversation. Arnaud en avait quand il dealait. Richie a raccroché d'excellente humeur. Il rigolait et il m'a dit « Demain, si tout va bien, on va faire la fête. » Intéressant. Il a peut-être déjà retrouvé l'héroïne. Il faut pas qu'on le quitte des yeux, celui-là. C'est pour ça que je t'ai vidé du lit. Tu me pardonnes maintenant. Quand je suis partie de chez moi, Richie dormait encore. Allez, habille-toi. On va prendre la voiture et se poster devant chez lui. C'est malin, dealer. Si tu veux enfiler un, faut emmener tout un bataillon avec toi. Ils ont des instincts très développés. Ils ont appris à se méfier de tout. J'oubliais. Ah, c'est pas mes oignons. Quoi? Rien, laisse tomber. Tu veux savoir si j'ai fait l'amour avec Richie, c'est ça? Non. Je vais appeler Renz. Bon.
Bon, alors résumons-nous. Tu penses qu'Arnaud, la victime, était un dealer. Tu penses qu'il a été abattu par un autre dealer avec lequel il faisait des affaires. Tu penses que Richie, l'oiseau de mauvais augure, connaît l'assassin. Et tu penses que c'est Richie qui nous conduira à lui. Oui, je sais. Tout ce raisonnement est encore très hypothétique. En effet. Cependant, en admettant que ce ne soit pas lui l'assassin, tu auras tout de même attrapé deux dealers. Et si toutes ces fabulations tombent à l'eau, comment est-ce que je me justifierai? Il faut savoir prendre des risques. Mais non, tout ira bien. Laisse-toi aller, Michael. Je te ferai un vol au vent au saumon pour fêter ta victoire. Ah, qui aurait le courage de résister à une telle tentation? D'accord. Je vais prendre les dispositions nécessaires. Je sais, c'est Hassan que tu attendais. Je suis venu à sa place. Tu as apporté l'argent? T'as la cam? Oui. Une minute. L'héroïne n'est pas dans la voiture, mais on a trouvé un revolver sur lui. De calibre 36? C'est avec cette arme qu'on a tué Arnaud. Vous vous êtes mis dans de beaux draps, monsieur Hikmet. Ah, j'étais obligé d'agir comme ça, j'étais obligé. C'était le seul moyen, le seul moyen, le seul moyen. Maître Renz, essayez de comprendre. Il fallait que je sauve Ayala. Ce n'est pas elle qui a tué Arnaud. C'était moi. Et dire que je crevais d'envie de te foutre mon poing dans la gueule, pour qu'on soit quitte. Tu l'as échappé belle, poulet. Je t'ai payé un pot pour la peine. Oui, merde. Tu comprends, j'étais obligé de t'assommer. Tu m'as et dit quand que... je t'ai dit que j'étais soi-disant un ami d'Arnaud et que je ne connaissais pas Irène. J'avais suivi Arnaud et Ayala avec ma voiture une fois. Je connaissais bien le garage. Quand Ayala est parti, je suis allé les attendre au garage et Arnaud est arrivé tout seul. Je voulais juste lui parler. Et de quoi, s'il vous plaît? De mariage. Il avait déshonoré Ayala. Donc, il devait se marier avec elle. Arnaud s'est mis à rire. Il était très vulgaire. Il a dit, s'il fallait que j'épouse toutes les nanas, que je m'amuse à... que je m'amuse à baiser. Il m'a dit ça. En riant. Alors, j'ai pris le... revolver et vous l'avez abattu. Ensuite, je ne savais pas. Je ne pouvais pas lui demander où se trouvait Ayala. C'est pour ça que je me suis adressé à vous, Maître Renz. Pour que vous recherchiez Ayala. Monsieur Matula l'a tout de suite trouvé. Oui. Et on l'a soupçonné du crime. C'était affreux.
Alors j'ai inventé l'histoire du vol de l'héroïne. Jamais. Je n'ai jamais été un trafiquant de drogue. J'ai tout inventé pour que on soupçonne un dealer de ce meurtre à ma place. Et je voulais essayer de mettre le pistolet dont je m'étais servi pour abattre Arnaud dans la poche de veste de Richie. Après l'avoir tué lui aussi. Oui. Je voulais tuer Richie, seulement je n'ai pas pu tirer sur lui. Vous connaissiez Richie? Comment? Je comprends pas. Ayala fumait du hashish que Richie lui avait donné. On vérifiera ce point. Notre homme devait régler sa conduite sur les gens qu'il fréquentait. Jusque-là, tout ça est tout à fait plausible. Je n'ai plus qu'une question. Qui était la personne avec laquelle Richie avait rendez-vous sur le port? Le dénommé Hassan. Un ami qui vient de Turquie. Il est venu chercher ma fille pour qu'elle se marie. Seulement, quand il est arrivé chez moi, Ayala avait déjà fait une fugue. Alors il a décidé de la rechercher par lui-même. C'était votre complice? Il a attiré Richie sur le port? S'il vous plaît. J'ai mal, j'aimerais partir. Bonjour. Vous êtes libre, Ayala. C'est vrai? C'est vrai. Le coupable a été arrêté. Il a avoué. Mais qui c'était? Bien. Je crains que vous soyez choqué. C'est votre père. Comment tu vas? C'est mon cousin Hassan, originaire de Dinard. Ah. Il est tout de même très insouciant. Il parle notre langue? Oui. Le procureur a demandé à vous voir. Ça m'est égal. Je suis là pour conduire Ayala au pays. Rien ne m'en empêchera. Son fiancé l'attend. Il veut encore de moi, tu es sûr? Je croyais que vos coutumes étaient très strictes. Son fiancé est bon et généreux. Il est prêt à pardonner à Ayala. Son père a tué l'homme qui avait commis un acte de violence. L'honneur est sauf. C'est une façon de voir les choses. Viens vite. L'avion décolle dans une heure. Mais il faut d'abord que j'aille faire mes valises. À Dinard, tu auras tout ce qu'il te faut. Qu'est-ce que tu vas faire de ces vêtements? Je vais essayer d'obtenir son adresse en Turquie et je les lui enverrai. Il y a un truc qui m'échappe. Pourquoi elle n'a eu aucune réaction? Tu lui dis que c'est son père qui a tué Arnaud. Et elle l'accepte en silence, c'est bizarre. Pourquoi elle a suivi son cousin sans dire un mot? Tu sais que ça? Je croyais qu'elle avait rejeté les règles de l'islam. Oui, c'est vrai que son attitude est étrange. C'est elle qui l'a tué. Quoi? Qui? Ayala a tué Arnaud. Le médaillon était sous le lit. C'est pour ça qu'elle a changé de comportement. Je suppose que c'était Ayala et non Irène qu'Arnaud voulait envoyer au diable. Elle avait tout abandonné pour lui, sa vie bien ordonnée, sa famille, ses coutumes et adopté son mode de vie à lui. Et il a dû se moquer d'elle. Alors, elle a perdu la raison et elle l'a abattue. Dans le garage. Et comment elle a fait pour conduire le camping-car au bord du Rhin? Oui, apparemment, la leçon de conduite d'Arnaud avait dû suffire. Mais pourquoi est-elle allée là-bas? C'est simple. Il fallait qu'elle se cache. Et puis, elle a tout avoué à son père quand il est venu chez moi. Et il a tout de suite décidé de ce qu'il devait faire. Faire porter la responsabilité de ce meurtre à un homme qui, à ses yeux, était indigne d'appartenir au genre humain. Ouais. Et comment a-t-il retrouvé l'arme du crime?
Ayala a dû tout simplement lui dire où elle l'avait caché. Pourquoi est-ce qu'un type comme Hikmet décide de prendre tous les torts pour lui? Il doit considérer que sa fille a fait son devoir. En vertu de ses principes moraux, Ayala ne s'est pas rendue coupable d'un meurtre. Elle a sauvé l'honneur de la famille. Moi, j'y comprends rien à la morale musulmane. Il n'est pas le seul. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que cette petite devait être éperdument amoureuse de cet abruti. Tu crois pas? Elle a laissé le médaillon chez toi, et elle ne s'est même pas donné la peine de le cacher. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vas demander son extradition? C'est au procureur de le faire, c'est pas à moi. Tu préfères la laisser en liberté? Je ne crois pas qu'elle sera heureuse là-bas. Ça, c'est moins sûr. Le temps efface les blessures. Qui sait, son mari sera peut-être sympa avec elle. Et quand elle sera entourée de gosses, elle se laissera prendre à son rôle de mère. Je ne vais pas en Turquie, je ne veux pas m'enfuir. C'est moi qui ai tué Arnaud. Oui, je sais. Son médaillon était sous votre lit. Je n'ai pas envie que mon père soit puni à ma place. Je suis responsable de mes actes. Vous acceptez d'assurer ma défense ?